C'est Ok, monté à la je suis dans treu. la façon. Je suis dedans. C'est monté à la truelle, même, je dirais. Hop, ok, je relance. Ah oui, je suis en guerre. Alors, pause. Allez, tout le monde. Re les gens. Ça y est, Fred est en guerre, c'est bon. Fred est en guerre, il va bientôt quitter la game. Non, vous êtes deux contre deux, ça va. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Pardon. D'accord. Alors attends, je regarde. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Où est-ce qu'on peut voir ce qu'on gagne déjà? Merde. C'est où qu'on voit ce qu'on gagne si jamais on gagne? Si jamais on gagne. Bah, tu gagnes des claims. De toute façon, comme t'es le défenseur, tu gagnes ce que tu prends, quoi. Simplement. Concentre-toi sur lui occuper des trucs. Ouais. Ok, alors attends. Bon, elle est où ma grosse flotte? Le Curator Order ici. Elle est là. Les gars, vous plaisantez pas, hein. 5000 balles pour avoir les bonus avec le Curator Order. On va Waouh. voir les quoi? Ok, on peut y aller. Ah, Ouais, évidemment. c'est bon. Allez, c'est parti. On me fait la guerre pour la troisième fois. C'est normal. C'est la dernière fois que je joue un essaim dans nos parties live. Prochaine fois, je prendrai un truc. Voilà, des pas, pas Easy, tu prendras un truc easy. des fanatiques. Des fanatiques. Déjà, il y a le copain qui vient m'aider avec une flotte de 13 000. Et ça, c'est cool. Et ça Moi, s'appelle. j'ai une flotte à 10 000. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Il a quoi? Ah, il a 12 000, lui. Il a deux flottes à. Ah, parfait, colonie établie. Le monde tropical ici à Eglomia. Alors on va le renommer un petit peu ce monde. Qui est-ce qu'on a sur le chat qui veut une place dans mon empire glorieux? On va Est-ce directement que ça attaquer. intéresse quelqu'un dans le chat d'avoir un système à son nom? Ce serait bien, hein? Pour Ah ceci, oui. il suffit de sub chez Method. Pour un subs de 50 euros, on a carrément un sous-secteur. Pour 50 euros mensuels, hein, bien sûr. Évidemment. Mais quoi d'autre? Ah oui, J'ai des exigences quand même, si vous voulez. ça va sans dire. Hein, voilà. Alors. Ah, le premier à réagir, c'est quand même Weird Mec. Hein. Je suis désolé, les gars. Il en avait pas Mais il a déjà. pas déjà filé du blé, Weird Mec? Oh non, et eh ben ça sera Dimmu83 qui vient de s'abonner via Twitch Prime. Ah, bah désolé, Weird Mec. Hein. Tu es sympathique et rapide, mais tu ne payes Weird pas. Donc, c'est donc Dimmu83. Dimmu83 qui hérite d'une nouvelle petite planète. Et Hop. ouais, le mec il dit oh le bâtard. Non, mais Bon. abonnez-vous et on vous met sur une tente. Hein. Le vieux deal de merde. Du coup, le système s'appellera le système Dimmu, évidemment. Parfait. Et la planète, ce sera Dimmu83 Prime. Dis-moi que j'ai nickel game. Pas Voilà. mal, pas mal, pas mal. Alors, vous n'aimez pas mon modèle économique? La corruption, non, le capitalisme. Non, mais moi, mon modèle économique, c'est plus à base de fanatisme et de vénération et d'offrande. Mais nous aussi, on vénère. Les gens me vénèrent et C'est ils juste sont qu'on vénère chez pas la même chose. Ok, ça y est, ils sont chez moi. Non mais sérieusement, Dimmu, par contre, si tu veux voir le système, il est tout à l'ouest de mon empire. Déglingus pourra te le montrer, sinon tu pourras le voir dans la rediff de la On est série. où? Ah, il est Dimmu. Voilà, Qu'est-ce le qu'il y a? système Dimmu, avec une magnifique Hop. planète à 25. Il n'y a pas grand-chose. Ben non, mais ça vient d'arriver, donc forcément. Mais il y a quand même une planète à 24. Oui, pas 25, 24, C'est pas. pas mal. J'ai pas de minéraux. J'ai pas de minéraux. Alors attends, on va bouger ces populations sur des mines.
Bananocapitalistes du cul, mais tout à fait, c'est complètement des bananocapitalistes. Alors, on a nos citadelles maintenant, donc ça c'est classe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire? Des ancrages pour encore plus de troupes? More. Ouais, on peut. Hein. Capacité navale. Plus d'expérience sur les vaisseaux de base aussi, ça a quand même de la gueule. Ouais, je pense que l'Académie de la Flotte, ça me semble quand même être un must à avoir. Oh, il a divisé ses flottes en deux. Ah, oh, le con. Oh, je vais l'ouvrir. Ah, oh, le con. Ah, 10 000 contre 6 000, je vais l'ouvrir en deux. Normalement. Mais j'avais pas construit des stations de guerre, et j'aurais dû en plus, hein. Parfait. Mais bon, il y a, la flotte de chez des copains Voul qui est en plein dans leur empire, donc c'est peut-être pour ça qu'il a divisé ses flottes. Par contre... Qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Mais vous n'avez pas compris. Mais vous avez rien compris à ce que, alors que je vous ai donné. Vous êtes vraiment très très con. On peut passer en vitesse 2? Perhaps. Maybe. Maybe. Maybe oui, not. We are fire and fury. Arrête. Allez, mon Dieu, arrête. Go, go, go. Tue, tue. Fire and fury, putain. Mon joie. Oh, c'est pas vrai. L'IA, dans la microseconde qu'elle a contrôlé mon empire, elle a créé une flotte de comment, d'invasion, une seule, hein, de un vaisseau par système. C'est fun. Franchement, à regrouper, c'est fun. On s'amuse beaucoup. C'est vraiment très bien. Non, mais tu, dans la barre, sur la droite, tu les sélectionnes toutes en appuyant sur Mage. Et tu les ramènes toutes dans un système. Dans oui, on pourrait faire quelque chose comme ça. Moins 80. Ah oui, oui. Mes vassaux ne m'aiment pas, hein, j'avoue. Tellement te péter la gueule. Oh, il y a gros fight dans le système de Dirban. Il y a gros fight. Ça où, ça où, ça? À Dirban, la flotte de mon allié vient de prendre la flotte ennemie. Merde, je vois pas. Oh bah, oh là là. C'est chez qui? Chez les Bibaki. Non mais c'est trop tard. Ils ont perdu. Ils ont grave alors... perdu. Et moi, ma flotte arrive. Bon. Je vais désoccuper. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais pourquoi ils ont construit ça? Mais ils sont complètement cons. Oh là 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 là. Bref. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la Bibaki ça, avec trois corvettes. D'accord. Mais j'ai toujours pas accès au... Ah, je crois que si, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, nous avons accès au cuirassier. Oh, bien joué. Alors, le cuirassier, on va le monter nous-mêmes, chers amis. Oh mon Dieu. Concepteur de vaisseau. J'ai mal à moi. Oui. Parce que ce que tu viens de dire implique que tes autres vaisseaux, tu as laissé l'ordinateur gérer les modèles. Bah depuis le début, oui. Et ça fait mal dans mon cœur. Pourquoi? J'ai simplement délégué la tâche qui me cassait un peu les noix. De large. Qu'est-ce qu'on a en large? On n'a pas grand-chose en large, en fait. Ouais. C'est pas beaucoup mieux qu'avant. Attends, si je capitule... Non, par contre, si je reconnais... Par contre, si... Et même si je fais statu quo... Si t'arrives à avoir un statu, tu peux peut-être lui grappiller des trucs. Hein. Mais non, je crois qu'il n'y a que lui qui gagne des trucs. En statu quo, les avances que t'as fait dans la guerre, tu les gardes. Ah ouais, bon, bah, on va faire ça. Qu'est-ce qui se passe trucs, en statu quo, normalement, tu les récupères. D'accord, ok. Alors, on va aller occuper les choses. Et ben voilà. Et déjà, on va sauter ici et lui casser... On va essayer de choper des flottes à lui. On a des vrais problèmes quand même, hein, au bout d'un moment. Hein. On va essayer de récupérer tout ce segmentum. Des vrais problèmes. Ok, on est chez lui. On est chez lui. Bon, on va être obligé de créer des troupes pour protéger toutes nos cités, j'ai l'impression, là, parce que les esclaves font vraiment trop la gueule, et puis j'en ai marre de payer des 1000 et des 100 là, pour... pour pacifier les zones. Je commence doucement à m'emmerder.
Attends, mais il y a un bug? Parce que ma quête de précurseur, je l'avais fini. Ouais, j'ai trouvé le système de Hiras. Il est là, je l'ai exploré, je me souviens, j'ai gagné plein d'unités. Mais dans mon journal de bord, j'ai toujours le machin, les précurseurs, et je continue de couvrir des trucs. Est-ce que je vais faire la fin du truc une deuxième fois? Moi, ça m'arrange. Ça a l'air d'être buggé du cul. Comme d'hab. On va foutre des bastions partout, nous. Je pense que ça va être bien aussi. Parce que là, ouais, c'est vraiment relou, quoi. Pourquoi on est obligé de se faire le grand tour comme ça? Il y a quelque chose qui m'empêche de sauter vers Piscus ici. Voilà. Research complete. Qu'est-ce qu'on a? Adaptation écologique, oui. Bon, écoutez, c'est sympa, mais c'est pas complètement ouf non plus. Bon, et on réparera. On réparera tout ça. Ah, merde! C'est qui, ça? Ah, c'est les Rakstala qui ils me backstab. Construction complete. Un problème à la fois. Un problème à la fois, c'est eux qui sont en train de perdre. Allez, on s'occupe que du Bébaki. Construction complete. On s'occupe que de la Bébaki hégémonie. Construction complete. J'ai l'impression que les alliés me suivent dans mes déplacements. Construction complete. Ouais, c'est possible, ça. Construction complete. On a engagé une petite flotte, elle est morte tellement vite qu'on a... voilà. Allez, il faut qu'on occupe des trucs chez lui, là. Allez. Sauter, bon Dieu. Bon, voilà. On commence. On commence à avoir des zones sympathiques. Ah. Ah non. Ça y est, t'as fait ta paix, Julien ? Ouais, parce que... Ah rien, voilà non, une bonne nouvelle. Non, j'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné non plus. Par contre, je me suis bien augmenté en armée. Ouais, mais bon, vu que tu peux coloniser trois autres planètes maintenant... Non, mes trois autres planètes sont quasiment déjà colonisées. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est... Ah, mais ça, c'est mon système à moi, ça. D'accord. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient devenir mes vassaux, mais genre volontairement? Volontairement. Les mecs à côté, ils disent « Ouais, on a une force équivalente et tout, membre d'une fédération. » Ouais, mais j'ai pas envie de rejoindre notre fédération, les gars. Genre, alors pas du tout, quoi. Fédération mon cul, oui. Ouais, la vache. Il faut absolument qu'on développe... qu'on développe nos forces, tout simplement. Hein. Putain, j'ai tout ça en chantier spatial. J'ai peut-être un peu trop de chantiers spatiaux. Research complete. Attends, quoi? Quelque chose bouge sur la Lune. Ouais, 14, 14, c'est peut-être beaucoup. Qu'est-ce que t'as encore fait? Lance le projet spécial abandonné. Il se passe un truc sur une des lunes de mon... d'une de mes planètes. Il a tout cassé. Il a tout cassé?
C'est l'ascenseur orbital. C'est une bonne chaîne d'événements, j'espère. C'est un bon truc. Hein, ah Ludo, putain, j'arrive enfin à 10 000 de force, quoi. Elle est où, la flotte de mon allié, là? Tout près. Elle est morte. Non, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils sont? Mais où est-ce qu'ils sont? Bande de cons, vous êtes partis où? Allô? Ah non, mais je les vois nulle part. Ils ont 10 bandes? Ils se sont peut-être fait démolir. Hein. Ah non, on est là. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est retourné chez lui? Mais peut-être qu'il se faisait attaquer chez lui. Mais pas du tout! Ah bah si. Il y a une flotte de la bébé qui hégémonie chez lui. Ah là. Oh là 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 là. Et nous, on perd. Oula, deux cuirassés, deux, ça suffit. C'est pas la peine d'en faire 12 non plus, hein. C'est cher ces conneries. Mais genre méga cher même. Construction complete. Construction complete. Construction complete. C'est bien discret. Vous êtes très discret, ouais, les gens. Ouais, je suis très concentré. Ça me fait peur, j'aime pas ça. C'est ça. Ouais. En règle générale, quand on est trop discret, c'est que ça prépare quelque chose. Parlez de quelque chose. Non, je lisais le chat. Alors, maintenant je suis en paix. On a plus de bouffe. Transfert un système. Oui. Bon, depuis que j'ai foutu des bastions partout, ils ont arrêté de faire des grèves de la faim, les mecs. Bah, c'est tant mieux. Ouais, ils se sont dit que c'était peut-être pas une si bonne idée. On a plus de... Oh là 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 là. Plus de nourriture. Construction complete. Fred, il est en train de partir, tu sais. Ah mais... On n'a plus rien. Plus de minéraux, plus de nourriture. Et c'est avec joie que nous retournons. Les fermes de Léonore reviennent sous notre contrôle. Voilà, ouais, dis donc. Maintenant, par contre, je demanderai un petit plus en minéraux que j'ai réparé tous tes bâtiments. Oui, je rembourse la réparation des bâtiments. S'il te plaît. Terre confisquée. C'est quoi cette connerie? Libre enfin. Les anciens esclaves se réjouissent d'appartenir à notre empire. Oh non, je pense qu'ils ont pas remarqué qu'ils avaient changé de drapeau, les mecs. Ils étaient libres, tu viens de les récupérer, donc ils vont vraiment faire la gueule s'ils sont esclaves. La loi martiale, il y a que ça de vrai. Bon, alors tu disais quoi, au fait? Qui, moi? Oui. J'aimerais bien avoir une petite récompense du fait que j'ai réparé tous tes bâtiments. Une récompense, vous dites? Oui, tout à fait, une récompense. Non, un geste commercial pour fidéliser le client. Oui, bah attends, c'est la Svenan League, c'est ça? Non. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est pas du tout. Mais Maïwen? Excusez-nous, c'est que vous avez à peu près la même tête, hein, vous ressemblez un peu tous, hein, dans le reste de la galaxie. Mais tu veux quoi? Bah, une ou deux planètes en récompense, quoi. Dimou et Mulbar. Je vais te proposer un accord commercial. Avec un message imprimé sur le feuille. Hashtag va te faire voir. Tiens, c'est parce que c'est toi. Construction complete. Ah non. Oui, il faut qu'on chope cette flotte. Il faut qu'on la chope. Allez, sautez plus vite. Merci. Oh, je t'en prie. C'est trois fois rien. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui as donné? Rien. Voilà, il t'a donné des ressources, quoi. Incoming transmission. Oui. Allez, on se bat. Exactement. T'as besoin de bouffe, Fred? Je lui ai donné des ressources. Beaucoup, oui. T'as besoin de bouffe? Ah oui, énormément et rapidement. Il est à l'agonie. Bah, après, demander comme ça, je suis pas sûr de... Putain, mais t'es où? Mais non, ça c'est ton ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, il a accepté sa convention de recherche. C'est quoi tes planètes, toi? Contre 4000 balles? Ah, t'es là. Ah non, mais je vous file pas 4000 minéraux, les gars, vous déconnez ou quoi? On pétait un câble? Il y a des mecs qui me demandent de faire des accords commerciaux, genre on vous aide à faire des recherches, mais on veut 4000. Ouais, j'ai eu beaucoup de propositions du même genre. Genre, oui? Oui, mais non?
halluciner les gens parfois. Ah, 300 nourriture, merci. De rien. Ah, il m'offre la paix. Ouais, mais la paix en quoi? Ouais, bon. En statu quo. Ils occupent des trucs à toi? Ah oui, plein. Tu vas les perdre. Ah là là, bah non, refusé, hein. Pas le choix, on va se battre jusqu'au bout, hein, tant pis. Mais à mon avis, je vous le dis, c'est... À mon avis, c'est la fin. À mon avis, ce soir, c'est la dernière terre. Hein. Ça sent le sapin? Ah. Ouais, ça sent grave le sapin. Si encore la flotte de la voule, d'aider la voule, venez m'aider. Putain, la voule. La voule? Allez, les voules. C'est quoi la voule? C'est l'allié de... C'est ton allié de voule? Ouais, avec la voule entity. Qui a grignoté des trucs du sacro-saint Mandasura Foundation. Ah là 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 là. Ouais, 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 ouais. Okay, on peut m'envoyer un peu de nourriture? Encore? Bah ouais, hein. De l'aide humanitaire, quoi. L'aide humanitaire. Envoyez des sacs de riz à Fred. Moi, perso, je viens de t'en envoyer 300 et... Ah bah, dis donc. Nous, on n'a pas, on est bien désolé. Je t'en envoie 100, mais c'est parce que mes réserves sont à 200, moi, donc je peux pas bien... Ouais, moi aussi, j'ai jamais augmenté les réserves, c'est un peu la honte, d'ailleurs. Ouais. Sérieux, les gars. Ouais, ouais, bah disons qu'on n'avait pas prévu de manquer de bouffe, quoi. Et leur lassitude de guerre est à 100%. La tienne? Non, à eux. Ouais, mais la tienne? Elle est à 90. Oui, enfin, c'est leur lassitude de guerre, c'est-à-dire que là, si la guerre s'arrête, enfin, ils sont en train de la gagner, donc... Il faut bien comprendre que la lassitude de guerre n'a aucun rapport avec le fait de gagner ou perdre la guerre. Enfin, si, tu en gagnes plus vite si tu perds. Cette phrase n'était pas tout à fait compréhensible. Là, par exemple, la lassitude de guerre, c'est-à-dire que le peuple, chez eux, ils sont en train de dire « on arrête la guerre, on arrête la guerre ». Mais du coup, comme ils sont en train de gagner, bah, ils vont arrêter la guerre et gagner, quoi. Mais, Oui, ça fait sens. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui c'est qui est mort? Ah, Fred est désynchronisé. Ah non! Attends, on dirait que c'est bon. Mais ce soir, c'est incroyable. Hein. On n'y arrive pas. Amélioration en citadelle, c'est fait. Ok. Canon DCA 2. C'est le dernier. Hein. Ouais, why not? Ah bah merci. C'est-à-dire que moi je suis à moins 23 de nourriture là. Oh là là. Allez, c'est la guerre les gars. C'est la fin. Nous produisons 55 et nous consommons 79. Mais oui. Mais c'est ça les gens qui vivent au-delà de leur... de leurs moyens. Mais ta gueule. Il fallait pas acheter un iPhone. Il fallait faire des choix. C'est ça, il fallait faire des choix. Je vais retourner chez moi et essayer de non, parce que genre, ils occupent ma capitale, quoi. En fait, Fred, il construit des cuirassiers, mais il a pas l'essence pour les conduire. C'est ça, bon. Allez, c'est parti. Ouais, bah derrière, et pousse. Ah là 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 là. Tu sais qui fait des revendications sur moi, mon vassal, il me déteste à ce point. En fait, mais non, enfin, ils peuvent. Toi, tu peux imposer une fois que ton ennemi est à 100%. Pauvre naze. Des jours de guerre, tu peux imposer un statu quo. Tu peux même avant, d'ailleurs, je crois. Mais là, je peux faire un statu quo, mais je perds des trucs, quoi. Ouais, mais en fait, plus. Si tu atteins 100% des jours de guerre, tu peux refuser les offres qu'ils te font. Mais au bout d'un moment, ça va se faire automatiquement et tu perdras automatiquement, quoi. Ah mais là, quoi qu'il arrive... Ah tiens, ils en reveulent. Agresseur, hein. Ils gagnent Coriolis 4. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est où Coriolis? Mais non, tu peux pas avoir la planète Coriolis, mon gars. Notre leader est décédé? La planète de Xyr. Mais vraiment non, mais ce sont des choses qui arrivent. Quel est ce coin? Et moi je gagne Arcturus? C'est où cette merde?
Ah, c'est chez eux. C'est chez eux, ouais, mais c'est tout ce que je gagne, en fait. Seul négatif ? Mais qu'est-ce que ce bordel ? Il y a des problèmes chez Teams. Mauvais management. Mais non, c'est pas un problème de management, c'est quel est le problème alors que ça marchait très bien, tout à coup j'ai des gros problèmes. Ah mais c'est, d'accord, c'est parce que je n'avais plus de dirigeant en fait, donc forcément ça joue. Oh, quel infâme bordel. Solde négatif, ouais, donc là par contre ça c'est pas bon. Moi je veux devenir vassal de Tibbs. Ouais, c'est pas bon du tout ça. Une multitude va disparaître. Bon, en tout cas, elle va... Ouais. Oh putain, on n'a pas eu le choix. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as perdu ? Ah bah tiens, encore ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 là. Ah, il a perdu sa guerre. Ah, mais il a perdu beaucoup de choses ou pas ? Bah, deux planètes, quoi. Et oh, planètes, ça va. Bah, ouais. Deux planètes, attends. J'ai cru que t'étais mort. Tu m'as fait peur, tu sais. Ah, deux planètes, quand même. Quoi. Bah, ça dépend sur combien. Non, mais, elle ressemble plus à... Regarde, surtout, je peux... surtout que là, t'as deux bouts d'... Enfin, t'as un bout d'empire qui est complètement isolé. Bah oui, j'ai même plus accès. La capitale, ils peuvent plus aller dans l'autre partie de l'Empire parce qu'ils doivent passer vers un autre gars. Alors si tu veux être sûr de pas mourir, je peux te louer en fait un petit coin de mon Empire. Tu peux me louer quoi ? Je te loue un petit coin de mon Empire, comme ça tu ne peux pas mourir. Comme avec moi quoi. Oui oui, je peux complètement louer des parties de l'Empire, hein. À des taux pas dégueulasses. Hein. Oh putain. C'est le Voul hein, qui s'en sort bien à chaque fois, il gagne un peu plus. Mais il est où le Voul ? À côté de la Bebaki Hégémonie. Putain, mais quel nom de merde ! Oui, c'est pas évident. Ah, mais c'est ça le Voul ? Ouais, c'est ça, bah, c'est mon seul allié, alors respecte. Ah, il est inférieur, mais il est que inférieur. Ok. Non, non, mais il gère, hein. Ouais, ils ont l'air un peu balèzes. Un peu débrouillard. Bizarre. Alors... Encore heureux qu'il soit là, hein, sinon j'aurais perdu il y a 3 lives, quoi. Alien Federation formed. Ok, bon alors ce qu'on va faire... Ah bah ils ont fait une fédération les deux connards. Mais oui, j'en étais sûr. Oh là 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 là. Oh là 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 là, tu vas voir qu'ils vont... Ils vont... Quoi ? Dans 10 ans, ils vont me sandwich, mais bien violemment. 103 sur 110 et on peut pas rejoindre. Ah je l'ai les types. Je te jure, je l'ai. Attends mais attends. Il a rejoint une fédération cet abruti. Mais lequel ? Il est tout seul. De quoi ? Je vais déclarer une guerre. Il a probablement pas rejoint une fédération de 1. La merde là, l'Ozavata State qui est en dessous de moi. Hop, non, il a fait l'erreur. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ne plus être en pacte défensif avec le sacro-saint. Du coup, je vais lui tomber sur la gueule. Bah, tomber dessus, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah, ça y est, on est à zéro en bouffe. On a plus que 4 planètes. T'as encore besoin de bouffe ? Oui. Oh là là, t'exagères quoi. Putain, je suis à plus 19 en bouffe. Alors t'es où ? Les nouveaux canons des CA, ouais, why not. Bon, on va directement passer au canon Gauss, hein, ça ira bien. Allez, on va aller purifier l'alien. Purifier l'alien, détruire j'ai le Xenos, tout ça, tout ça. De Fred, quoi. Merci, je n'oublierai pas ce geste. Ah, si tu meurs, ça change pas grand chose que tu l'oublies ou pas. Eh bien, tant que je suis en vie, je n'oublierai pas. Alors là, il y a de la bouffe. Merci. J'espère au moins avoir une figurine à... Une figurine à ton effigie. Ouais, également, pour une les figurine, enfants. Carrément. Un petit jouet pour les enfants. Gundam.
J'aimerais bien avoir des Gundam. Ah putain, ça fait qu'il y a des gens qui meurent de faim. Ah putain, on est à moins 100 d'énergie par jour là, ça craint un peu. Par mois plutôt peut-être. Jour. Parce que par jour. Bah du coup, ça voudrait dire qu'il sera à moins 30 000, c'est ça? Putain, mais sur ma capitale, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Ils ont tout pété comme des gros sacs. Moins 92, ça craint. On perd vraiment du pognon. En fait, j'avais un dirigeant qui me faisait masse de pognon. Putain, c'est pour ça que je me suis pas bien rendu compte. Moi, je suis super ultra heureux. J'ai quand tout à coup. Quand tout à coup, il n'y a plus une thune. Là, je suis plus heureux des hommes. Hein. Ah bah, du coup, t'en as plus que moi maintenant. Oh, forteresse stellaire, 2000 minéraux. Ah, ça pique le cul. Franchement, encore j'ai récupéré. Alors, c'est peut-être pas ta race, mais franchement, encore je l'ai récupéré parce que franchement. Ah, non, mais les traités migratoires, c'est cool, moi j'adore ça. Ah, bah là, pour le coup, je suis vraiment sauvé. Quoi. T'as récupéré des mecs à moi, non? Ah oui, également, mais bon, les tiens, ils servent pas vraiment à grand chose. Comment ça, ils servent pas à grand chose? Les tiens, ils puent. Mais non, mais les tiens, ils vont que sur des mondes océaniques. On sait faire des magnifiques smoothies. Des mondes tropicales, voilà. Moi, j'en ai pas de mondes tropicales de mon côté, sinon j'aurais déjà eu des planètes. Tropicaux. Oui. Plus d'armées psioniques. Du coup, j'ai une population à 60% de... Ça, c'est génial. Qui a activé son god, là? Non, c'est... C'est Fred. C'est mon téléphone. Lol. Mais ici c'est pareil, il n'y avait pas une base avant là. Mais comment ils sont heureux les gars, tes gars chez moi, Tibbs. Ils sont heureux franchement. Tu m'étonnes. Ils ont fui la tyrannie. Mais n'importe quoi. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. On n'est plus dans le cul. Ils n'ont plus la tête dedans. Je pense pas qu'ils soient très heureux d'avoir quitté le cul. Ah si. Construction complete. Si, totalement. Ridicule. Il faut que tu acceptes ta vérité. Q vaincra. Alors oui, ça c'est sûr, sûrement le Q vaincra, c'est sûr. Ouais, Armag Chris, ouais, donc c'est pour ça que je vais manier le Q avant qu'il... Ah, toi aussi tu... Plaît-il qu'il fasse un autre pacte à la con. Allez, voilà. Allez, on amène les flottes aux frontières. La Técharus Directive. Il est allié à qui, ce con? Personne? J'ai entendu un chat. Oui, c'est la mienne. Oh, mais on va les défoncer. Enfin, on va les asservir, plutôt. Il est simplement associé fédéral, donc on a dit que c'était rien du tout, lui. Hein, on est d'accord? Ah, si. Non, l'associé fédéral, c'est juste un gars qui a un pacte de non-agression. L'associé fédéral, c'est pacte de non-agression. Voilà. Donc, la Técharus Directive, là. Oui. Bah du coup, elle va devenir la Técharus Corporation. Ah, tu vas t'attaquer à eux? Je vais les asservir, probablement. Putain. La Técharus. Julien, c'est mort, t'as plus d'expansion à te faire. Non, arrête. Pourquoi, tu veux pas attaquer l'interstellar Krabnabar Commonwealth? Ah non, mais celui-là, je t'interdis de le toucher, c'est mon meilleur ami. Tu mais qui? Interstellar, c'est le... Mais je m'en fous d'interstellar, moi c'est le Técharus. Mais le Técharus, tu me le laisses, c'est mon expansion. Toi, c'est tu vas du côté. Toi, tu vas du côté de. Oui, voilà. Mais c'est pas possible. Comment il fait après pour me verser un tribut? Il t'en verse pas. Bah, je t'en verserai un plus tard, mais pour le moment. Ah, tu veux me verser un tribut? Ah, bah ouais, d'accord. Mais pour le... tu lui fous la paix, sinon je te garantis que. Oh, Julien. Sinon, tu garantis que quoi? L'interstellar Carabnard? Non, le Técharus Directive. Moi, je te conseillerais, Tibbs, tu démontes les Ugen Galactic Compact, là, et comme ça, tu redonnes l'Empire à Fred. Ah oui. Comment ça, flotte hostile? Ah oui, si, c'est moi qui ai lancé l'hostile. Par vers le sud. Par vers le sud. Si ça veut dire quelque chose dans la galaxie. Vers le bas, mais le bas par rapport à quoi? Oh la vache, ce qu'on a pris, putain. Mais quel bas? Avec ces conneries de nord et sud, selon là où on est, ça change tout. Bon, on a repair un peu la flotte. Ah, ça y est, on est de nouveau positif en bouffe. Parce qu'on a vache, comment ils font mal, c'est con.
politique agricole agressive. Je m'attendais pas à subir une défaite spatiale. Bon, cela dit, ça fait des économies. Parce que les gens ne sont pas heureux dans ton cul. Bah ouais. Je ne sais pas le dire. N'importe quoi. C'est étroit et sombre, alors tu m'étonnes qu'ils sont pas... Hein ? Voilà. Tu accuses le cul d'obscurantisme ? Plus ou moins. Ah bah depuis qu'ils sont arrivés dans la lumière, je te garantis que les tiens, ils sont... Ah merde. Attendez. Juste pour... Civisme. Ah, on peut prendre un nouveau civisme. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Environnementalisme ? Quelle drôle d'idée. Élite aristocratique. Ah bah non. Système de corvée. Bof. Dans 247 mois, j'aurais modifié mon esprit. Ah bah voilà. Non, je vais avoir ma 7ème planète, quoi. Sérieux, les gars. C'est bon, je reprends du pôle de la veille. Ah, c'est pas mal. Je ne serai plus répugnant ni faible. Bureaucratie efficace. Bof. Bof. Ça devrait me donner un petit boost de popularité auprès des autres espèces. Avoir deux systèmes de plus de base, ça me ferait 14 planètes de base. Ah, oh, qu'est-ce que c'est ? Éveil psionique des Alvan. C'est moi, c'est moi. Sinon, il y a le truc qui est cool aussi, c'est la police d'État. Agitation à 25. Bah oui, toi, si tu te faut ça. Hein. Non, 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 on n'a pas besoin de ça maintenant qu'on a mis des... Non, ça ira. Notex. On va plutôt prendre bureaucratie efficace et essayer de se répandre sur d'autres planètes. Le suaire. Ah oui, c'est vrai, vous allez aller là-dedans. Et ah putain, non, c'est trop cher, je peux pas, faut que je fasse des économies. De l'ascension, les gars, hein. Fais chier, non, fais chier, fais chier. Mais moi, je suis au quatrième encore. Putain, bon, moi, je suis au troisième. Bonjour, et puis moi, je suis loin d'avoir fille. Ouais, moi aussi. Ah, bah moi, j'en ai trois, et là, il m'en reste... En encore même temps, pas mal. Je suis qu'à 40 d'unités parce que qui c'est qui a déclaré la guerre, hein, c'est des Gringus. C'est moi. Venez m'aider. Tant que je regarde, ils ont quoi comme flotte là? Ouais, non, c'est bon, on les éclate. Moi je dis Tibbs. Qui regarde après quoi. Tibbs, moi je suis prêt de soutenir la guerre si tu fais la guerre à... au Item Galactique Compact. Au Item Galactique Compact. Ouais, le rouge en bas de chez toi. Là. Voilà, ouais, pareil, bah attendez, je vais voir ça. En premier lieu, ce que je pourrais te proposer, c'est que je te soutiens. Alors une fois que le traité sera passé, mais dès alors que pour l'instant, faire une guerre... pour l'instant, j'ai des priorités, j'ai des pirates, mais bon, je vais voir ça, je vais voir ça. J'ai pas mal de gens qui branlent rien, par contre. Donc ouais, ça, j'apprécie reste... assez modérément, par contre. Il reste une heure de live. Là, il faut faire quelque chose. Alors, au niveau de la flotte... Ah ouais, on avait pris cher, bon. Oui, oui, nous-mêmes, on a rencontré des aliens bien, bien vénères. Mais bien vénères. Encore besoin de bouffe, Fred, ou pas? Non, je suis remonté à plus 16, figure-toi. Ouais, parce Space que moi, là, je suis à 22, je déborde de bouffe. Spaceport under attack? Spaceport lost. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'aurais pas le temps de... Bon, de toute façon, leur mort est leur mort est certaine, mais ils vont casser un peu les ils vont casser un peu les couilles. Gradez-moi ça. Vous. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Pourquoi on est si loin ? Oui, ok, bon, c'est pas si mal. Construction complete. Bordel de merde. Ah. Construction complete. C'est
général qui est mort pendant l'attaque, quoi, putain. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Bon, on perd toujours du pognon, nous. Yes, on a coincé une de leurs flottes. Enfin, on l'a coincé. Ils se sont jetés sur nous, plutôt. C'est des zéros. Banzai! Ils ont courageusement décidé de se supprimer. C'est ça. Tibbs. Oui. As-tu besoin d'énergie? Non, non, ça va. Enfin, j'en perds un peu, mais j'en ai 19 000, donc... Heureusement qu'on avait colonisé cette planète de taille 24, quand même, parce que... Ships upgraded. Bon, alors... Oh oui, ils sont tous les bienvenus, moi. Oh, tiens, j'ai encore récupéré du monde. Oh, c'est cool. Les destroyers, ça coûte... Ok, parfait. Construire... Parfait aussi. Et on prend... Ouais, bon, l'usure quand même, hein, on prend un peu. Hein. Merde, on va changer de dirigeant. Ah, mais écoute, attends, moi aussi je peux revendiquer des trucs, nous là. Ça va pas se passer comme ça. Ah non, déjà... mais agitation, mais encore, mais. Vous êtes qui, quoi? Vous êtes qui, vous voulez quoi? Vous m'emmerdez, les mecs, mais genre gravement, quoi. Je peux maintenant aller rechercher les boucliers psioniques. On va revendiquer ça, et on va revendiquer. Ça. Putain, cessez de m'emmerder, quoi. Puis ça... Ah ouais, on va revendiquer tout d'un coup. Hein. Puis on va revendiquer ça. Revendiquer, ça coûte rien. Et ça, ça coûte. Ça coûte pas grand-chose. On va revendiquer ça. On va aussi revendiquer ça. Je peux pas se casser la tête avec ça. On va revendiquer ça. Je vais tout cramer. Je vais tout... On revendique bien des choses. On va revendiquer tout ça, voilà. Donc là, on a revendiqué tout ça. Je crois que j'ai fait zéro revendication depuis le début. Tu connais pas ton bonheur. On va aussi revendiquer... Ouais, c'est plutôt tranquille, du coup. Ça. J'avais pas envoyé quelqu'un pour explorer ce coin, là. Y a pas des gens qui seraient en train de rien branler. J'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de rien branler et qui sont payés quand même, là. Revendiquer ça, et puis ça... Ah, on n'a plus assez de... Bon, c'est pas grave. Alors, 5, 1, 8, 21. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque des croiseurs, du coup. On va mettre 4. Oh super, maintenant j'ai des mouches à merde. Quoi? Dans mon empire, j'ai des mouches à merde. Ouais, il faut pas être violent comme ça avec les gens qui sont dans ton empire. J'ai pas dit que j'étais violent, j'ai juste... Bienvenue à vous, peuple du caca. Bah, c'est tout à fait ça, hein. Je critique pas, au contraire. Je ne juge pas. Ah non, non, tout le peuple de mouches à merde. Le mec, il a colonisé 4 planètes de plus et... peut-être que les mouches à merde, elles peuvent coloniser un type de planète que tu n'as pas encore. Oh putain, t'as raison. C'est vrai? Non mais je sais pas, je regarde. Bah oui. C'est que du coup, moi je me trouve un peu, entre guillemets, enclavé là. Il va falloir que je déclare la guerre. Il va falloir que tu déclaves un peu. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, ça empêche pas que je vais quand même assouvir les Técharus. Non. Dès que je serai prêt. On va les détruire. Non, mais je vais les asservir. Ou du moins, si tu les détruis pas avant, j'asservirai ce qui restera. Faites un deal pour la guerre. Genre, Julien, il récupère quelques planètes, et puis toi, tu récupères le reste. Ah oui, moi, je suis pour. Hein, mais pourquoi, alors que je pourrais tout récupérer? Ouais, c'est pas faux, en même temps. Bah oui. Mais attends, t'as vu l'empire que t'as? Tu peux aussi nous laisser... Bah justement, tu vois que je l'ai fait en faisant des concessions? On est de la même couleur, tu pourras... Voilà, parlons-en de la couleur. J'ai un copyright sur la couleur.
Non, tu sais quoi? Comme tu m'as rendu une planète, je te laisse l'opportunité de leur déclarer la guerre. Donc Je tu fais leur en ta guerre prends contre une. eux, et le reste, je le prendrai. Enfin, en fait, il escomptait que vous déclariez la guerre tous les deux, comme ça l'arrangeait un peu. Bah oui. Bah non, si je déclare la guerre, je le défonce et puis point barre, on va pas non plus. Bah justement, tu le défonces, on se. Donc tu le défonces et on le partage, y a pas un problème dans l'énoncé? Mais non, on le défonce et on le se partage. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de ton on pour le défoncer, il est pathétique. C'est ça, le truc. Sa puissance de flotte est pathétique. D'ailleurs, ça se trouve, il va vouloir un. Tu veux pas être vassal sans guerre, non? Limite. J'ai fait la moitié du chemin pour le vassaliser pacifiquement à lui. Attends, j'ai un long texte là. Qu'est-ce que t'as encore fait? Ouais, j'ai une chaîne d'événements. Ouais, démanteler les drones. J'ai confiance en toi, tu peux le tuer sans moi quand même. Oui, mais non, mais je vais essayer. Me mets pas la pression non plus. Je te mets pas la pression. Oh bah si. Non. Un peu. Déclarer la guerre. T'es sûr que tu veux pas venir? Oui. T'es sûr que tu veux pas aussi lui déclarer la guerre? En même temps, oui, non, je vois pas l'intérêt de perdre mon temps. Bah t'envoies que un quart de ta flotte, comme ça ce sera suffisant. Pas besoin d'envoyer un quart de ma flotte. Et si je demande avec un s'il te plaît? T'es grand, je te dis, t'as vu la taille de ton empire, tu veux bien massacrer ça, non? J'avoue, tu peux l'avoir normalement. Attends, John. Attends, avancer des revendications, tiens, je vais en avancer un plus. En plus, t'as une tête qui fait peur et tout, ça se trouve, ils vont flipper rien qu'en voyant ta tronche. Reste tranquille. C'est vrai que tu foutais les boules. Pas une gueule de porte-bonheur quand même. Hein. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Bon, ça se passe comment ta guerre, Clément? Enfin. Ça gagne. Oui. On va donc réformer le régime, comme je le disais. Ça va envahir plein de trucs. Ça gagne. Bureaucratie efficace, et ça coûte 250 et on n'a pas les points pour le faire encore. Fait chier, c'est long. Ok, j'ai fait toutes mes revendications. C'est foutu long. J'ai une flotte à 10 000. Oui, non. Non. On peut me renvoyer des minéraux, les gens, s'il vous plaît? Non. Non. Non, c'est pas que je veux pas, hein. Mais c'est que. Faut que je reconstruise. C'est pas que je veux pas, mais au bout d'un moment. Non, mais clairement, je voudrais t'aider, mais je suis dans l'incapacité. Alors qu'est-ce qu'ils ont là? Bonheur 15%, habitabilité moins 16, mais pourquoi? Oh, casser les doigts, les gars. Putain, mais ils font chier à faire popper des trucs partout là. Il lutte, mais ça sert à rien, c'est juste chiant, quoi. T'as envie de lui dire juste meurs vite, quoi. Mais putain. Abrège tes souffrances. Ok. Bon, allez, c'est décidé, on va créer des armées. Sur toutes les cités. Ah, mais il y a encore des trucs tout cassés là-dedans. Déjà répare, voilà. On répare ça. On va réparer ça. Ça va me coûter la peau du fion cette histoire. On va réparer je ça. Crois qu'il faut un moment. Et en même temps, on n'a pas besoin tout de suite. Ah, on a des postes actionnaires ici. Des postes actionnaires. Ouais, c'est des actionnaires des neiges.
Alors, les Bebaki m'insultent. Construction complete. Je crois que les fascistes, ils avaient tous tué, bizarre. Construction complete. Bon, manifestement pas. Peu importe. Ils vont me donner une convention de recherche pour une durée de 30 ans. Non. Mais par contre... Où est-ce qu'ils vont... C'est très étrange. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Construction complete. Mais t'es qui, toi ? Interstellar, Carab, Commonwealth. Mmh. Je croyais que vous me détestiez. Non, mais ils me détestent, mais ils arrêtent pas de me donner des trucs. Alors... Bah, et peut-être qu'ils te détestent, mais qu'ils te craignent. Pas de raison. Alors déjà, vous êtes qui ? Vous êtes où ? Vous avez l'air tout petit, vous. Vous avez l'air tout petit. Research complete. Ah, mais c'est les voisins de Ju. Les Carbnar, comme le Carbnar Commonwealth. Ouais, ils sont tout gentils. Ah oui, ils sont tout chou, ils m'ont donné plein d'énergie. Alors... C'est tout choupi. C'est choupi. Ah, on va pouvoir utiliser la matière noire, ça c'est classe. Dark matter. La dark matter. On va pouvoir balancer les syndicalistes dans la matière noire. Research complete. On a des canons de Gauss aussi, ça aussi c'est sympathique. C'est sympathique, oui, sympathique plutôt. Ouh, ça va demander d'upgrader les flottes, je crois bien ça. Alors... Oh putain, ça coûte cher la vache, 950. Allons-y. Il y a intérêt que ce soit rentable, ces conneries. Il faut qu'on se magne, là, il y a une intrusion de guerre qui monte... Oh bah c'est bon, c'est tout gagné là, tu vas tout voir. Non, non, il y a des trucs, il y a des petits machins par-ci par-là que j'occupe pas dans mes objectifs. Ils arrêtent pas d'envoyer des vieilles flottes de merde. Mais attends, mais il a plus qu'une planète qui peut produire des trous. On va directement sur celle-là. Un recherche en physique terminé. Normalement, il a plus qu'une seule planète là, sous son contrôle. Ah, stop ! Qu'est-ce qui s'est passé ? L'unité de Capdark Conferacy a été détruite. Attends, Je sais pas trop qui c'est. Ah bah c'est toi, Ah non, c'est pas moi. Deglingus, il a gagné. Non, en fait, ils se sont rendus, ils m'ont tout donné. Ok. Ouais, c'est une façon de gagner ses guerres aussi, c'est cool. Pas mal, hein. Ils ont pas mal il leur tout, reste un petit bout, quand même. Non, c'est pas eux. Ah oui, ouais, ouais, tu veux dire un petit bout en bas, là. Bah du coup, ouais. On va peut-être pouvoir s'attaquer au sacro-saint machin, là. Au sacro-saint machin. Ouais, attends, on verra. Déjà, je vais gérer ce que j'ai acquis. Bon, équipe, c'est ta guerre contre la Tecarus. Deux secondes, parce que ça va être... Ma guerre contre qui ? Le Tecarus Directive. Tecarus Directive. Alors... Bah, j'ai laissé John faire ce qu'il a à faire chez eux, et après, moi, j'irai récupérer le reste. On va faire une autre guerre. Comment ? Va faire une autre guerre en attendant. Non, j'ai plein de trucs à faire sans guerre. Et bah, je réforme voilà. Je réforme mon système politique. Et puis il faut que je colonise deux planètes de plus. Du coup, ça prend un peu de temps. Bah prends ton temps. Oui. Où est-ce que ça gueule encore ? Oui, je prends mon temps, oui. Ouais, j'irais bien chercher certains trucs ici, mais ils vont tellement faire la gueule les autres tarés là. J'ai pas envie de les vexer. Ah. Ouais, mais on va tenter de s'approcher. Si jamais ils font la gueule, on se cassera. Je pense pas qu'ils feront la gueule. Bref. Incoming transmission. Incoming transmission. Qu'est-ce que c'était ? Vous êtes qui ? Il y a des paquets d'agression qui se signent.
Mmh. Un pacte de non-agression? Oh, là, t'as vu la gueule que t'as, tu vas faire fuir les investisseurs. Écoute, cassez-vous. Voilà, cassez-vous tous. Mmh. Ok. Très chiant quand tu crées des armées maintenant, elles soient immédiatement en orbite plutôt que sur la planète. Pourquoi ? Bah parce que moi je l'ai vu sur la planète. Pour protéger des rébellions. Évidemment. Enfin, des manifestations. Ah, il fait de la diplomatie à fond, le l'Ozavata State, là. Ouais, bah. Il a plus qu'une planète, hein, le gars. On vient de... Je viens de signer un pacte de non-agression. Oh là 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 là. Mais tout le monde veut venir chez moi. C'est impressionnant. Mais moi, j'adore ça, moi. Moi, j'ai pas dit que c'était mal. Sauf que j'ai plus de sous. Les empires multiculturels, c'est le pied. Transmission. Ah bah là, c'est même plus que multiculturel, là, c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est que mon espèce n'est plus dominante après dessus. Oui, moi, je vois pas l'intérêt. Quand on a été grand remplacé par... Moi, j'ai un empire pur avec seulement des gens de mon espèce. Bah, y a plein de planètes où il n'y a pas de gens de ton espèce, là, du coup. Oui, mais ils sont en train d'être déportés. Nous, on est très cosmopolites. Au moins, je les tue pas, je les déporte chez les... Ouais, mais du coup, du coup, ils viennent chez moi. On accueille tout le monde chez nous. C'est possible, ça. C'est fort probable. Tout le monde a sa chance de travailler comme les autres. Non, moi, mais Mara, c'est designé pour un truc. Du coup, pour que ça marche. Ah, non, mais du coup, ils viennent tous chez moi, là, c'est sûr, là. C'est... Non, mais tu peux avoir. T'as un nombre de réfugiés maximal que tu peux avoir. Moi, je me souviens que j'avais eu des Tiberians chez moi, à la partie d'avant. J'en avais eu 6 ou 7 au moins. Mais ils étaient vachement bien. Oui, ils étaient cool. J'aurais fait coloniser leur propre planète. Ils avaient leur planète à eux. La réserve. Tu fais un empire, là, c'est des réserves de planètes. Tu vires des gens de chez toi, Tim ? Comment ça, je vire des gens de chez moi ? Non, j'en sais rien, parce que du coup, il y en a plein qui viennent chez moi, là aussi, là. Disons qu'on on en produit beaucoup et que certains souhaitent peut-être un peu voir autre chose, mais ils reviennent. Ah, mon empire, il ressemble plus à rien. Bon. T'occupes pas de ton empire, occupe-toi de ta guerre contre le Tekaris Directive. Ça va, je fais les réparations sur mes vaisseaux, 2 minutes. Mais ça prend pas 2000 ans à faire des réparations. Non, mais déplacer de planète en planète pour aller à la base, si. Toutes les excuses sont bonnes pour... Construction complete. Oh, ouais. Toi, t'as qu'à t'en sortir avec ton empire, là. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Les gens, restons tranquillement. On est tranquille. Puis tu vas pas commencer à venir faire chier, toi, non plus, là. Oh, oh là 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 là. Je condamne fermement ces propos inacceptables. Ah, mais non. Ah, si. Oui, je sais, mais non. Pourquoi condamner tout de suite les grands mots, ça va pas ou quoi ? Ah, je condamne. La Maïwen a fait son temps. Vous pouvez désormais être relégué à la place qui vous revient, les poubelles de l'histoire. Envoyez. Hein ? Je t'insulte officiellement. Mais t'es un malade, toi ? T'es un malade. Toi aussi, je t'insulterais bien, mais franchement, je sais plus vraiment où est ta boîte aux lettres, donc... Oh. Et là on dit rien, là on le prend bien, ah bah bien. Non, je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'il est bien. Ships upgraded. Non, laisse Julien tranquille. Tiens d'ailleurs... Quoi, tu vas me dire que t'as besoin de choses ? Non, mais tu veux des crédits énergétiques ? Ah non. Alors, comment ça marche là ? Pas trop mal. Oh, j'ai pas trop mal. Oui, le propulseur de bombe psionique. Oui. Ah, la technologie psionique. Hop là, donc. Là, je pourrais très bien lui déclarer la guerre. Merde. Je suis sûr que tu dois être largement plus avancé que moi technologiquement. Je pense pas. Ah, la Zveltanig. Toi. Putain, qu'est-ce que tu me fais chier là ? Non, on est équivalent. Équivalent en technologie.
Oh, ta capacité navale est équivalente à la mienne aussi ? Ouais, je suis à 296 en maximum. Ouais, putain, bah ils ont l'équivalence large. T'es à combien, toi ? Je suis à 360. Ouais, j'avoue, c'est large comme fourchette. Ouais. Dans une fourchette de 150, vous êtes pareil. C'est un peu ça. Bon, enfin. De toute façon, pour l'instant, c'est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. Bon, ça déporte, là. Trois plateformes à améliorer. Désolé, hein, vous êtes super mignon, vous avez l'air super gentil, mais... What? Enfin, non, vous êtes moche comme des culs, mais... Mais parez-vous. Mais vous, voilà, ça ne fit pas dans le plan. Construction complete. C'était pas sur le planning. Alors, quoi? Ah ah. Oh non, putain. Ah, dommage. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a les sacro-saints machins qui ont attaqué Deg. Ah, les sacro-saints? Mais ils sont où, les sacro-saints? Ok, alors, déjà, au moins, ils sont tout seuls. Ils sont à 8. Oh la vache, ils sont équivalents à moi en force. Mais d'où? Ah bah t'as vu comment ils sont énormes aussi. Vous voulez être nos amis? Salut. Ah, ils vont s'allier. En même temps, t'as raison. Hein. Je pourrais lui garantir son indépendance. C'est le mec. Ouais, alors, bah, ça va être chaud parce que moi je ressors d'une guerre donc je vais me faire éclater. Quoi. Ouais, ils ont l'air assez vénères quand même. Ouais. Ah bah tu vas connaître mon... Les affres de la souffrance. Exactement. Ah, pardon. Ah oui, c'était les aliens de merde là qu'on devait purifier aussi parce qu'ils nous ont cassé les noix. Non, pas vous. J'aurais peut-être pas dû faire autant de destroyers, moi. Vous rentrez dans l'orbite et vous arrêtez de nous emmerder. Construction complete. Putain, les pourritures. Coque de croiseur améliorée, c'est toujours bon à prendre. Des pirates. Okay. Êtes-vous sérieux? Mais... Allez, attaquez-moi ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Vous. Attaquez-moi ça. On a combien en force ici? Bon, je pense que la flotte à 19 000, il y a quand même moyen que ça calme. Je viens d'atteindre les 11 500. Je me prépare à la quatrième guerre qu'on va me déclarer dans moins de 10 ans maintenant. Parce que je suis pas dupe. C'est possible. Et tu veux pas venir avec moi en guerre? Non. Non, mais histoire que je récupère juste la 4 planètes et après je te laisse. Au moins, comme ça, tu auras une. Sacro-sank. On doit avoir des guildes de minières, c'est mieux. On va les creuser. Qu'est-ce que t'en penses ? Creuser. Mais non. Mais pourquoi tu vas pas aider des Glingus, toi, Julien ? Parce que j'ai rien contre lui, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah oui, d'accord. Mais non, mais je veux pas lui déterrer une guerre comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Il est super. Oui. Alors, s'il fait ça, il va se faire éclater aussi. Bah oui, il va diviser sa flotte en deux, il va détruire Tim, et moi, il va détruire des Glingus, et moi. Qui ça ? Ton ami commun. Notre ami commun ? Non, ton ami. Quel sacro-saint Mandazuraf. Non, mais c'est pas mon ami, il est un peu con. Après, on s'aime bien quand même, hein. Mais à part mais ça. Du coup, qu'est-ce que tu y pensais de ma proposition ? Mais à qui? Bah à toi. Mais c'était quoi la proposition? Bah tu viens avec moi en guerre et comme ça je te laisse tout le... Je prends juste 4 planètes. Non, je viens pas avec toi en guerre. Je suis occupé, je suis en train de faire des restructurations là. Des restructurations? Ouais, sur... comment? J'ai les planètes, elles sont pas efficaces. Tous mes chantiers spatiaux étaient à reconstruire maintenant qu'on s'est refait un vrai... Comment? Oh, qu'est-ce qu'il fait, Bip? Enfin, y a plein de trucs à faire.
Qu'est-ce qui fait bip? Qu'est-ce qui fait bip comme ça? Qui a touché à quelque chose? Qu'est-ce qui fait... Quoi fait bip? Non, non, c'est moi, c'est moi. C'est qu'on a eu une recherche qui s'est finie. Et si on faisait... C'est quoi? Accélérateur de plasma, c'est bien ça, ouais. C'est bien ça là, comme arme? Accélérateur de plasma? Ouais, ouais, beau. Par rapport au lance-plasma, je veux dire. Oui, c'est bien. Oh la vache, ils sont vilains, les Bekaki hégémonies. Enfin, j'imagine... Eh oui, c'est pour ça qu'il faut venir les tuer. Oh putain! Mais c'est des nains! Ou des gobelins. Des nains moches? Non, c'est plutôt des gobelins. Ah, c'est peut-être le leader qui a une sale tronche. Ah. Ouais, et après, non, c'est peut-être pas tout... Ils sont tous petits et roux. Envoyez les bombes. Envoyez les bombes. Attends, les soldats, ils marquent. Portail réactivé, oui! Nos scientifiques qui ont fait des trucs. Quoi? Non, mais genre vraiment, c'est les miens. Ah oui, c'est les miens. J'ai réussi à envoyer des sondes à travers un portail. Ben, grand bien t'en fasse. C'est excellent. Quel était le sujet de l'étude, déjà? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il a envoyé un portail. J'aurais aimé avoir un rapport avant que vous ouvriez des portes vers l'inconnu, mais... La grande créature vide. Mais à quoi ça sert? Conduit à travers la trame du sous-espace, permettant un voyage quasi instantané vers d'autres portaux. Certes, mais où? C'est très étrange. On va envoyer un vaisseau de construction à travers ce truc. Spaceport under attack. Spaceport under attack. Construction complete. Vraiment? Construction complete. Research complete. Hyperpropulseur, c'est fait. Voyage par portail. Technologie rare. Allez, bah faisons ça. Bon. Eh, mais on a les moyens de... Bon, ça coûte 50 000 le bordel, par contre, donc ça coûte un peu cher, mais... On est con, on s'en branle des primitifs crevés, sans faire, voilà. Crevés, les primitifs. Là, les curateurs, là. Pouvez-vous nous aider dans nos recherches? Oui, nous aimerions louer ce service. Oui, ok. Voilà. Attends, et les autres, ils font quoi? Enclave d'artistes, ça fait quoi ça déjà, les artistes? L'unité. Ah oui! Ludo qui disait, fais des emprunts à types à une hauteur de 10%, mais c'est complètement ça. C'est vrai que du coup, comme je suis pas en guerre, et que je misère pas trop à gérer mon empire, au moins je peux discuter avec vous sur le chat et c'est très plaisant. Parce que le souci, en fait, quand t'as un grand empire, bah des fois, c'est que t'es emmerdé pour tout faire, et t'as pas le temps de lire, en fait, ce qui se passe. C'est le risque. C'est le risque, un peu, ouais. Bon, est-ce qu'on a tout réparé, là? Non? Écoutez-moi ces merdes. Oh là là, le portail, le nid de cristal, il est tellement énorme. Ah oui, oui, hein, il est mouse, hein. Voilà. C'est fini. C'est quand t'assimiles le cardio mandate Projet de recherche dans le système, c'est parfait. Hop, non. Parfait, parfait tout cela. Ah non, j'ai une de mes flottes qui va se faire éclater. Ah. C'est l'histoire de ma vie, mec. Comment ça se fait qu'on gagnait plein de minéraux? Enfin, j'ai construit tellement de vaisseaux aussi. Oh oui, on va peut faire ça. Voilà. Ah oui, bah c'est pas mal. Ouais, c'est mieux que rien, on va dire. Oh putain, c'est chiant. Putain de merde. Tintin. Et on en est où de PES là, au fait?
Hein? Alors, c'est ouf, c'est ouf. Dans 97 mois, on ne sera plus répugnant ni faible. Non, mais... Tu ne seras pas répugnant ni faible. Non, mais tu sais, depuis le début, le Raxtalak High Kingdom et la Bebaki Hégémoniste, c'est quand même des fanatiques xénophiles qui me foutent sur la gueule. Ça veut tout dire, quoi. Je veux dire... Ouais. C'est un peu trop épique alors qu'il se passe rien, la musique, là. Change. Voilà. Un truc plus calme, merci. Voilà. C'est bien. C'est bien. More declared. Il se passe ? Ouais, ça y est, c'est Julien qui déclare la guerre. Ouh, ça y est, sans déconner ? Vraiment ? T'as trouvé la cachette de tes testicules ? Oh, vous êtes vraiment vrai. Tiens, c'était tellement vulgaire que j'en suis désynchronisé. Outré, scandale. Une honte pour la République. Putain, Julien, il a colonisé à outrance, là. Ça manque de guerre, bah je suis en plein dedans, moi, donc... Je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Je sais pas ce qu'il vous faut, ouais. Ouais, après, on ira vassaliser ces nazes, là. Hop, ce sera fait. Qui c'est qui est mort, encore ? Ah non ! Construction complete. Il faut que je regarde. Je suis sûr que il doit manquer des personnalités. Tiens, d'ailleurs, oui, tu fais bien d'en parler. J'en suis complètement certain qu'il doit manquer des gouverneurs. Putain, j'en ai plus qu'un de gouverneur. Personnalité. Ah, on a toujours un gouverneur. Enfin, nous, en même temps, avec 4... il a 100 ans, le gouverneur. Ben oui. Ah, dans les secteurs, il n'y en a plus, bordel. Ah là 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 là. Ah, j'ai un amiral de niveau 5 quand même. C'est pas mal. Il a 96 ans. On vit longtemps hein, quand même. C'est bien. Attendez, quoi? Ils ont 20k de stock de minéraux, mes secteurs? Bah, tu ferais bien. Tu peux les taxer complètement et m'en donner un peu. En échange d'influence, tu peux prendre dans les réserves des secteurs. Ouais, je vois ça. Mais bon, après, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais c'est bon à savoir quand même. C'est bon à savoir. Mais ouais, ouais, c'est carrément bon à savoir. Vu qu'ils te donnent pas tout, ils accumulent au fur et à mesure. Oui, oui, c'est parfait. Ouais, qui continue. Tu peux augmenter le niveau auquel tu les taxes. Ouais, j'ai essayé de peut-être pas trop charger la mule. Tu peux les taxer à 25, 50 ou 75. On va monter à 75. Vous en avez assez maintenant, les mecs, non? Manifestement. Ouais, ça change pas grand chose. Ils produisent zéro. Ils produisent zéro? Ok. Oh là 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 là. Étrange. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire la guerre? Genre vraiment étrange. Julien qui regrette. Ah mais totalement. Non, enfin peu importe. Temps de construire des corvettes en masse. Je peux même pas en faire 10. Des corvettes en masse. Est-ce que j'en ai encore des corvettes au fait, hein, ou pas du tout? Fait parce qu'on rigole, on rigole, mais. Bah là, j'aurais donc 3 corvettes. Elle raconte quoi cette flotte là? 27, 12, 12, 1. Ouais, c'est pas ouf comme. Je vais peut-être attendre les 13 000 en force avec un peu de bol. Ouais. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Donc il me faut 3 vaisseaux de type corvette. Allez, la prochaine guerre, je suis prêt. Quand même, je dis à chaque fois, mais je suis prêt.
Ensuite, ici, 21, 7, 8, 3, 91. Cette fois, je m'attaquerai au Raxtalak. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui dégustent. Qu'est-ce qu'on fout là? Je peux pas déclarer une guerre, moi, tout de suite, là, comme ça. Pour qu'il se... Ah bah tiens, qui m'insulte? La haute... Le haut éthique Commonwealth m'insulte. Vous êtes qui, vous, d'abord? Mais vous d'accord, êtes... ils ont une non, planète, non, non, les mecs. C'est toujours là, Ardarine, c'est juste que bah, le truc du Khan a pas popé. Mais en même temps, on joue pas à vitesse x3, donc c'est beaucoup plus lent qu'une partie normale. Le truc du Khan. Construction complete. Ouais, c'est un clan, un des clans maraudeurs qui est uni sous un gars qui s'appelle le Grand Khan et il commence à envahir tout ce qu'il y a à sa portée. Quoi. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Agitation sur une des planètes. À 100%? Ah, ah ouais, là, ouais, là faut peut-être faire quelque chose, les gars. Sa capacité navale est inférieure, sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous êtes con? Pourquoi vous êtes con? Mais oui, qu'est-ce qui. Il y a pourtant des bastions de partout, c'est quoi votre problème? Système de caste, pas content? Oui, non mais encore. Mais tu devrais pas t'occuper d'eux et tu devrais intégrer le cardio mandate. Pire. Voilà. Non mais s'il y a que ça, on va mettre un troisième bastion. Au bout d'un moment, ils vont peut-être me lâcher la grappe. Julien, comment se passe la guerre? Super mal. Oh, bah, c'est merde, fait. Sérieux? Non, mais... la première bataille... Minéraux, donc reconstruire derrière, c'est compliqué. Il te faut des minéraux? Ah bah ouais, totalement, là... Ah mais j'en ai totalement pas. Bah oui, je me doute, personne en a. Ah, c'est la ressource la plus précieuse de la galaxie en même temps. Bah oui. C'est vrai. Je confirme. Bon, alors, mon usure de guerre est en train d'augmenter, mais par chance, il y a que moi qui occupe des trucs et lui, il occupe rien chez moi, tu vois. Construction complete. Ah, donc, sur un petit statu quo, éventuellement... Ouais. On pourrait gagner 2-3... Ah bah si, tiens, regarde, il va désoccuper Epsilon, là. Je serais prêt à envoyer quelques minéraux, si jamais tu pouvais devenir tributaire, officiellement. C'est quoi? Il va aussi te désoccuper Burritos. Burritos, pardon. Les zones Biden, c'est quoi? Non, quoi? Fais pas le con, moi. Invasion extra-dimensionnelle. Fais pas le con. En plus, dans le chat, que vous le sachiez, hein, on a réglé quand même les crises de fin de partie en mode vénère. On a réglé les crises de fin de partie en mode vénère. Ah mais non. Ah, on si. A fait ça. Mais oui. Non, on l'a pas mis. Oh, elles sont en mode normal. Ouais. Oui, bah c'est déjà plus vénère que d'habitude. Ah oui, là on va en... Ouais, ça va que c'est quand même. Disons que quand ça arrivera, c'est la fin de la game, quoi. On a perdu, quoi. D'ailleurs, ça serait bien que ça arrive. On va se faire éclater. Mais pourquoi? J'espère qu'ils vont popper chez Tibbs. Ils sont. Comment dire? On peut pas leur parler, c'est ça? Ah bah. Est-ce que t'as déjà parlé à une fourmilière, toi? Oh, c'est des saloperies de ce genre, vraiment? Ah non, les invasions extra-dimensionnelles, eux, c'est... Les mecs, ils sont pas là pour discuter, quoi. Ils sont là pour te péter la gueule. Bravo. Par contre, est-ce que c'est pas complètement l'heure d'arrêter, là, je crois? 11h-10, on pourrait, oui. Parce que du coup, comme on a fait un épisode plus court la dernière fois, là j'ai un épisode d'1h20, ça commence à faire fat. Ah, ça ouais, on va peut-être arrêter là. Ouais. Ok, on va arrêter là. Ouais, je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir, on a déjà bien avancé. Bah oui. Le vassal qu'on voulait vassaliser est vassalisé. L'Empire prospère. Mmh. Bah, il faut bien qu'il y en ait qui réussissent pendant qu'il y en a qui attirent la merde sur eux, quoi. Ouais, moi je résiste. Hein. On a atteint les 64 flottes. Oh là, putain, j'ai même pas 10 000. Moi, je suis à 12 400 et je suis tellement content, quoi. On est bien. Attends, okay. Ça va être chaud. On fait ou pas, du coup? C'est bon? Je sauvegarde. Bon, parfait.
Bah merci à tous sur le chat, ce fut bien sympathique encore de passer une soirée en votre compagnie. Complètement. Ouais, merci, je fais l'annonce ici pour ceux qui attendent la suite du live sur Haven Colony. Ça sera pas dimanche parce que je suis pas là, ça sera mardi soir. Donc la semaine prochaine, vous aurez un live sur Haven Colony mardi et le live sur Stellaris le lendemain. Ouais. Franchement, vu que tu as du temps, fais des lives tous les soirs. Ouais, mais là, je suis pas là de vendredi à mardi. Quoi. Oui, non, mais je veux dire après, fais au moins fais plus de live dans la semaine. Oui, mais il faut l'envie, il faut le jeu, il faut le créneau. Faut oui, il faudra qu'on cale des trucs, des événements. Des événements à venir, oui. Mm. Oui, oui, oui. Clin d'œil. Wink, wink. Bon, allez, les gars, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée, le chat. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine.